Microphone. Il est branché. Duvis, turn on your microphone. I can't find the button. I can't find the on button. S'il vous plaît, le technicien pour les micros. Classic Duvis. Monsieur Duvis, Grèce. And they're clapping as the microphone works. The bar is low. Allez. Woo. Attack. Premier no. Attack touche. Wow. So we're going to start like that, huh? That's okay with me. Are you ready? Allez. Préparation. Attack touche. Wow. Again, the score is 2-0. Let's see. I predicted earlier today that Kim would win. We'll see what happens. Attack contre attack. Attack touche. Wow. Hangar. Et vous prêts? Allez. Préparation, attaque, touche. Wow. Hangar. Et vous prêts? Allez. Attaque au fer. Kim is 38 years old, what the hell? Et vous prêts? Allez! Final, tous les deux, pas de touche. Chose pour gagner. En garde! Et vous prêts? Allez! Halt! Arrêt, pose non, remise touche. Attendez. The replay was stuck. Et vous prêts? Allez. Préparation. Attaque. Attaque. Préparation. Attack. Voilà. See that red light by the machine? It's on, means the referee can't say fence. Attack. Est-ce vous prêt? Allez. Red light. Red light. On est obligé d'attendre, il y a un ralenti qui passe en direct. Vous pouvez l'observer. Et vous prêts? Allez! Préparation, attaque, touche. Attaque de gauche à nouveau. Kim va demander la vidéo. On va peut-être voir cette action nous aussi au ralenti. Donc je vous disais que. On va voir. Voilà, j'ai mon opinion. Vous comprendrez que j'attendrai la décision de l'arbitre. In preparation is correct. C'est toujours la bonne. Préparation, attaque, touche, pointe. C'est effectivement une attaque sur la préparation, en pointe. Et vous prêts? Allez. Attaque au fer. Beaucoup d'explosivité dans le jeu des Coréens. Allez.
Attends. Et vous prêtez? Allez. Oh. Allez. Oh. Allez. Magnifique contre-attaque en bout de piste en extrême limite de sortie. Vraiment, regardez les appuis vers l'arrière, c'est très très dur, on sent physiquement. Hop, la contre-attaque à la manchette, elle a touché. That's a great angle. Alors, Monsieur Kim Jong-un a changé son arme. Surrender his saber. Tout son matériel est en bout de piste, voilà. Bien entendu, il ne peut plus réutiliser cette arme de Love match. How, with the light the way it is, you see the saber extremely clearly. Pour pouvoir changer d'arme. It's pretty cool. Yeah, glint. 7-5. Good word. En faveur de Bo. Anga. Et vous prêts? Allez. Attaque au fer. Attaque au fer. That action is working really well for Kim. I think that's the third one he's gotten, right? On the hand. You don't see that very often. Gotcha. I like that one. Oh, you liked it too? Oh! We all like that one. On va voir cette touche au ralenti. C'est extrêmement serré entre ces deux Coréens. Come on, let's see that from seven different angles in slow motion. Et puis, Kim va prendre une parade en prime. Il va balayer, il va retourner son bras. Vous allez voir, hop, vous voyez ça? Ah oui. L'attaque est vers le ventre. Didn't even make any sense. Il a le contact du fer et il donne. The angle of that. Voilà. Sur le masque ou sur l'épaule, ça va. Looked like he was going to two. Effectivement, quand on a l'initiative de l'offensive, si ça touche, c'est parfait. Pour mettre en échec l'offensive adverse, il faut parer l'attaque. Complètement avec son arme, c'est-à-dire avec sa lame, écarter la lame de l'adversaire, ce qui donne droit à la riposte. So the two pairs shouldn't, the autre possibilité, c'est aussi si l'attaque est longue à se développer, s'il y a des fautes techniques de commises, on peut exécuter une contre-attaque qui prend un temps d'esprit. Oh, is that how imitations work? 8 à 7, rien n'est joué bien entendu dans cette deuxième demi-finale. Hmm? Is it? Nice pull. Parti par des petits bons magnifiques. Oui, en grande fente. Et vous prêts? Allez! Sur la préparation, contre-attaque, paré, riposte, touché, one. He's asking what it would be with two lights. I don't think that question came through. But the way Duva said it, it's a counterattack, not a preparation. Attaque! Nouvelle attaque de la droite. Ça va vraiment, vraiment très vite. Kim is attacking extremely well. He's also pulling extremely well, which is more important, I think. Vraiment des sprinters que vous avez là. Une explosivité extraordinaire. Et vous plaît? Allez! Nice touch. Avec une petite flèche, vous allez voir l'attaque de gauche barrée. Une petite flèche. Voilà. Et maintenant, on n'a plus le droit de croiser les pieds. Il s'envole, voilà. Yes, on appelle une 38. Fléchette. Voilà. Fléchette. Et vous prêts? Allez. Attaque composée. L'attaque composée. Oh, cute. Au flanc. Regarde.
Et vous prêts? Allez! Préparation! Attaque! L'attaque de droite sur la préparation. En bas! Et vous prêts? Allez! Oh my god, you see the distance on that? Try. Dude, this is not cool. So crispy. Can I wipe my face? Yes, please show us a replay of that, please. Please. I'm done. Okay, fine. Et vous prêts? Allez! Cessez la parée. L'attaque! Tous! Trois! En garde! Et vous prêts? Allez! Oh. La riposte a été parée. Voilà, c'est ce qu'on appelle la phrase d'armes. Ça a causé. 1, 2, 3, boum. Et voilà, je te fais une prime tête à la fin. I saw his soul leave his body. Et vous prêts? Allez! Instead of exiting? Well, no, like, he actually had to get to this. El Cuatro. Quel retour de Paul. So, Kim was up 39, right? Yeah. Oh, shit. Okay. Et vous prêts? Allez! Attaque! Tous! Trois! Allez! Kim qui reprend l'avantage, 14-13. We're getting a big yell and a big hug if Kim wins right now. These guys are both so clutch. Et vous prêts? Allez! Attaque au clair! Tous! Ils sortent complètement exsués. Je peux vous dire qu'il faut vraiment... Seulement les larmes, oui. Les gestes Covid, oui. Yeah. Ah, ils se connaissent trop, hein, pour pas se saluer. Cette dernière touche, vous allez voir, il y a une reprise d'attaque qui part de la droite. Ça va très très vite. Hop, this is a touch I wanted to see before. Pas celle-là. Ah, c'est pas la dernière touche, alors là, je ne sais plus où on en est. Ça doit être une attaque en dessous, voilà. Ah oui, on est à 13 à 8. On vous fait voir plusieurs images. Alors, je vous rappelle que la surface valable, c'est tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Le tronc, les bras, la tête, voilà. Ça vient de l'escrime de cavalerie et on ne touchait pas au cheval, donc les points enregistrés sont au-dessus de la ceinture sur tout ce qui est doré. Voilà. Bravo, monsieur, on commence à remonter aussi. Et on va vous passer quelques autres images sur l'écran. That was a dab with that counter attack.